Comme pour la plupart des anciennes structures défensives féodales, le palais du marquis de Melpignano est le produit d'une rénovation architecturale survenue au XVIIe siècle, qui a conduit à la transformation de la forteresse en palais nobiliaire. La construction du nouvel édifice représentatif a été voulue par le seigneur féodal Giorgio Castriota, comme le témoigne l'inscription apposée sur la bande au sommet de la façade. Les salles au premier étage étaient destinées à l'usage personnel du feudataire, tandis que les niveaux inférieurs étaient les sièges de la cour baronniale pour l'administration et l'exécution du pouvoir juridique. De l'ancien manoir, il ne reste que le fossé et les puissants rideaux défensifs méridionaux, caractérisés par les tours et la passerelle de garde. À l'intérieur du palais, on peut profiter du joli jardin à l'italienne, valorisé par la présence d'une pergola et d'éléments architecturaux nobiliaires, qui offrent aux visiteurs un spectacle magnifique. Le bien a été acquis par la commune de Melpignano au milieu des années 90. Actuellement, il est objet d'une intervention de restauration afin de rendre fonctionnel le palais et les jardins.